Bonjour la tribu. Alors là, une petite vidéo qui je pense va être courte. Comme d'habitude, je dis ça, puis on se retrouve avec des. Hein? Bon. Oui, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Allez, on va parler de tout ça. On y va? C'est parti. Ouais, c'est vrai que je suis pas vraiment souvent sur ma chaîne. Je vais en parler parce que je suis très fatigué, mais vraiment fatigué. Ça va passer, j'espère. Je sais pas d'où ça vient, mais enfin bon. Pas de fumée sans feu. On verra bien. Donc oui, donc là je me suis amusé de faire une petite, un petit montage. Enfin un montage non, j'ai fait une petite musique. Je me suis fait aider par l'IA. Et j'ai fait une musique pour ma chaîne On se regarde la vie. Alors on va regarder ça. Enfin vous allez, oui, vous allez l'écouter surtout. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Hein, voilà. Puis après on parlera un petit peu de choses et d'autres comme ça. Très très. Enfin voilà. Allez. Vous écoutez, hein. En commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis pas foulé, hein, j'ai fait. Les paroles, ça a été fait par IA, pareil, et la musique par IA aussi. Voilà. Mais bon, il y avait le texte, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se passait, et puis je l'ai corrigé. Hein. On n'est pas des sauvages. Non. Bon. Je plaisante quand même, malgré. Enfin bon. C'est Christian, ça. Bon, allez, on écoute. On y va. 1, 2, 3, 6. Regarde la vie ensemble, on est plus fiers. Les rues s'emplissent de gens qui marchent, main dans la main face aux orages. La vie est belle quand on s'unit. On se regarde la vie, tout devient infini. On se regarde la vie, on s'unit et on rit. Dans chaque moment partagé, c'est une danse enjouée. Voilà, alors vous avez bien écouté tout, vous nous direz ce que vous en pensez, la musique et tout. Je sais pas très bien l'utiliser encore ce truc. Je referai d'autres des musiques certainement avec l'IA, on va voir. Là ce que j'arrive pas encore à gérer, c'est la musique, le thème de la musique. Là c'était de la pop mélodie, un truc comme ça. Alors que moi j'aurais bien aimé un petit peu plus rock. Enfin, voilà. Bon pour un début, hein, va pas non plus. Voilà. Je me mets face à la.
Voilà. Alors, bon, bah, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous a plu, voilà. Je reste dans le thème de ce que je fais, hein, évidemment. Je voudrais que beaucoup de choses changent. Enfin, moi, tout seul, je suis comme un couillon, quoi. C'est certain que... Enfin, bon, j'aurais dit ce que je pensais. Et puis... ouais. Bon, c'est aussi un petit peu pour donner un petit peu de soleil dans cette société que je déteste. Je m'en cache pas. Hein. C'est du pipeau, tout ça. En plus, avec ce qui se passe là actuellement, à mon avis, vous savez ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes pour le matériel, tout ça, faites-le. À mon avis, faites-le quand même. Là. Ouais, c'est pas. Ça s'amuse bien à faire peur à tout le monde, là, surtout notre cher président qui va de. Enfin, il essaie de nous faire peur. Il aimerait bien certaines choses pour pouvoir lui rester au pouvoir, il me semble. De ce que j'ai compris. Mais enfin, bon. On va pas parler de politique. Mais enfin, bon, on est mal. Mal parti. Sans vouloir être négatif, hein, je constate. Hein. Ouais. Oh, un zozio. Vous avez le truc qui. Un gros zozio. Vous savez, c'est le truc qui vole et il y a la boîte de petits pois derrière. Un pigeon. Prou, prou. Voilà. Et vous avez vu prou, prou, comment je l'ai fait? C'est pas donné à tout le monde, hein. Bordel. Et ça y est, ça se recouvre. Quelqu'un peut me dire quand nous aurons du soleil, hein? Enfin, je veux dire de façon continue, quoi. Vous savez, l'été. Oh, l'été, oui. Ah, quand, où? Je discutais avec le patron d'un kebab, là, sympa comme tout. Et on se posait la question à savoir si, franchement, les saisons n'étaient pas décalées maintenant. Mais bien, hein, bien décalées. Il y a des perturbations qui sont... je sais pas, on a eu les yeux boulés de marche au mois de... mai, quoi, un truc comme ça. Enfin, peut-être. Peut-être que... Je sais pas. Je dis ça. Je sais pas, ça, c'est une pure... ça vient de moi, hein. Enfin, ça vient de moi. Puis du vendeur de kebab qui pense la même chose que moi. Enfin, bon. Voilà. Alors, pendant ce temps que je n'ai pas papoté avec vous, j'ai fait quelques deux trois bricoles chez moi. Je vais vous faire voir, je les explique en même temps. Je me suis motorisé aussi. Ah ouais, j'ai une petite moto. Je vous la ferai voir. Mais je vais refaire des vidéos, mais des trucs de ma vie, quoi, on va dire. En même temps, je parlerai de. Enfin, on va élargir le sujet. Tout en restant dans le sujet principal qui est de vivre, survivre. Voilà. On va voir. Bon, ben voilà. Alors donc, je répète, une troisième fois, je crois, pour ma musique, là, que j'ai créée. Oui, je l'ai créée quand même. Hein. C'est une bonne blague. J'en ai fait de la musique, hein. Putain, un temps. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tiens, il ne va pas payer les SSM, là. Non. Oui, ça m'a pris, j'ai fait ça. J'ai regardé une vidéo d'un... Comment ça s'appelle okay. Bon, il y a le Gaulois et sa famille. Ils en ont fait une musique comme ça. J'ai trouvé ça sympa, j'ai voulu faire la même chose. Mais bon, les paroles sur mon style de vidéo, ça n'a pas été simple, mais bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, vous me direz, vous verrez, voilà. Là, en rentrant, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait et je vais vous expliquer en même temps. Voilà, voilà. Allez, on y va? On y va, on va rentrer. Parce que là, ça se couvre. Je ne sais pas l'impair, vous avez vu, je suis version virile. Oh, comment on va voir ça? Et, tiens, marche arrière. Mais qui fait reculer? Non, non, c'est moi. Et, oh, mais comment que ça se fait que la planète tangue maintenant? Ah ben non, c'est moi aussi. Bon, alors, on y va. Je vais dire des bêtises, là. On voit comme ça, là, encore? Oh, c'est pas ça qui est ça, hein. Oh, la vache. Bon, allez, à tout de suite, devant chez moi. Ouais, alors, me voilà devant chez moi. Et le fait de marcher jusqu'à... J'ai plus l'habitude, moi.
Oui, donc j'ai ma petite. Je vais vous la faire voir. Voilà. Vas-y, on la voit bien. Ma terrasse là. Voilà. Et dans cette terrasse, bah, je voulais manger quoi. Mais bon, j'aime pas quand les gens y passent et puis que. Quand on le regarde, ah oh, bon appétit, vous mangez quoi hein, que ça peut être fou, t'es payé par la police. Et j'ai donc me suis dit, comment je vais faire tout en restant naturel. Et la verdure, et c'est de la verdure trop près, qu'on peut manger, voilà. Alors, là, donc, là, tout ça c'est de la menthe. Bon, pour faire le thé à la menthe, hein, voilà. Puis même des nems, des rouleaux de printemps avec de la menthe. C'est surtout les rouleaux de printemps avec la menthe. Bon, j'ai regardé le rosier là parce que c'était mon père qui l'avait mis. Voilà. Alors j'ai eu l'idée de mettre donc des piquets. Les deux grilles là, je ne les ai pas achetés, on me les a donnés. J'ai mis le. Là ici, j'ai mis un bâton pour bien tenir tout quoi. Parce qu'après, avec la. Et j'ai mis de la vigne. Et la vigne, évidemment, elle va s'étaler et donc obstruer visuellement ma terrasse. Et là, j'ai fait la même chose. On y va. Oui, d'ailleurs, là, ça commence bien. Là. Voilà. J'ai fait ça. En bois, là. Et là, peut-être que je vais mettre un... Comme un porche, vous savez, un arc. Comme ça, la vigne pourra tout, continuer dessus et repartir de l'autre côté, peut-être. Là, je vais le faire aller... Le pied qui est là, je vais le faire aller dessus. Ça va faire un maximum d'ombre. Et là aussi ça va obstruer le champ visuel. La vue. Voilà, j'ai dit la vue, c'est mieux. Voilà. Et ça, je fais en bois, évidemment. Là, j'ai les fraisiers. Et mais j'ai deux pieds de vigne, là. Là, il y en a qui est le long du mur, qui, j'espère, va partir après sur la véranda, là. Et puis, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Que j'ai mis des trucs naturels plus que des choses... plastique et compagnie, bah, la vigne, ça va s'étoffer, ça va faire plein de feuilles. Déjà, j'adore l'odeur de la vigne. Hein, ça sent bon. Non, et puis en plus, il va y avoir les fruits. Je vais vous faire voir ça de plus près. Et c'était où que t'étais, toi? Ah oui, là-bas. Regarde. Commence à venir. Il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout. Donc, des fruits pour la régalade. Allez, encore un petit peu là. Voilà. Pour la régalade, pour manger et tout. Et après, bon. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que. Je me dégage. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que. L'hiver, bon, bah, il n'y a pas de feuilles. Et j'ai toute la lumière. Normal. Voilà. Un des avantages, entre autres. L'été, c'est couvert de feuillage, donc ça me fait de l'ombre. J'ai mon sarapol, là. Le temps qu'il y a de la vigne. Là. Le sarapol. Est-ce que ça sarapol. Parasol, voilà, j'ai dit. Voilà. Alors ça, bon, on l'enlève après. Et la vigne, bon, bah, comme je vous l'ai dit, les feuilles, ça va tomber. Et on aura toute la lumière normale, quoi. Et sur mes vitres, là, bon, il n'y a pas de rideau à l'intérieur. Mais je vais mettre des films opaques. Pour pas qu'on voie à l'intérieur quand... hein, voilà. Voilà. Ah, tenez, ça aussi, ça. Ça, c'est... Ça sent bon. Je ne me rappelle plus du nom. Pourquoi c'est connu? Là, j'ai un petit peu de cactus que j'ai refait. On m'a donné ça et ça. Là, ça y est, ça recommence à faire une petite bouture. Ça va repartir comme celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est ça. Voilà. Et ça, c'était la même chose que ça. T'as, il est où? T'es où t'es? Que ça au départ. Voilà. Et c'est devenu comme ça après. Et là, je recommence à y avoir... ça continue même à pousser. Vous voyez, là, il y a des départs, un là, j'aimerais bien que ça me fasse des fruits. Ah, il y a un locataire, il va falloir que je fasse payer un loyer à lui. Ah tiens, là encore, aussi, encore un petit départ. Il va devenir gigantesque, et je ne vais même pas pouvoir le garder à force. Enfin, dans le pot, là. Là, j'ai encore de la menthe qui pousse. Là, j'ai mis plein de graines, on verra ce que ça fait. Je ne vais pas en tirer rien, je m'en suis débarrassé. Voilà, pour ça. Donc tout ça c'est en bois, puis ça peut, au cas où, ça peut s'enlever, hein, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est en bois. Ah oui, alors je voulais dire, ça va partir. Mon truc, ça va partir d'ici. Que je vous fasse. De là. Pouf. Et derrière la poubelle, là.
Et derrière la poule, ça va revenir, voilà. Et que dessus, ça va faire joli après. Si j'arrive à le faire. Bon, ouais, voilà. Alors, bon. Je dis, je referai des vidéos. À chaque fois, je dis ça, puis 5 mois après, il n'y a toujours rien. Ah, voilà. Vous ferez voir mon nouveau véhicule. Parce que le vélo, c'est bien gentil, mais j'en ai marre. Et tant qu'il y a de l'essence, hein. Voilà. Oui. Bon, la tribu. Voilà, j'ai des petits projets encore autres à faire. On verra, ça sera au fur et dans la mesure. Je me suis fait un coin dans la maison pour pouvoir travailler la charcuterie, pour être tranquille. Enfin, faire un maximum soi-même. Ah oui, ça, on va en parler un petit peu. Vu ce qui se passe... elle me veut dans la lumière. Vu ce qui se passe... je sais pas si... Mais tout sous forme de point d'interrogation. Est-ce qu'il faut faire les réserves? Moi, ouais. N'importe comment, ça mange pas l'avoine. J'en fais un peu, mais pas dans l'espoir de garder trop. Arrivé un moment, on en reparlera. Je suis bon. Allez, la tribu, à bientôt. Ça sera le sujet d'un autre dino. Allez, salut, à bientôt. Bye bye.